Non, mais oh quoi, t'es ouf. Aller de ce point de la Terre à celui-là en moins de 30 secondes et parcourir 15 000 km aussi vite, et t'as pété une durite, mon vieux, ou quoi? À part l'équilibre sur une main et le pouce sur la télécommande, Ziva, excuse-moi, mais je vois pas quand t'as fourni un effort sportif. Donne le départ, dis. Allez, on y va. Le start, Samy, le start. Ok, Greg, on a parié de douzaines d'éclairs au chocolat. Ok, quoi? Trois, quoi? Deux, quoi? Un, quoi? Voilà, 15 000 km franchis grâce au téléphone. Allô, les parents? Ouais, salut mes géniteurs. Nous sommes reliés par une onde invisible qui parcourt les airs, traverse les mers sans se noyer, l'espace via les satellites, et nous pouvons converser. Formidable, gars. Et vos vacances, ça va bien? Vous trouvez des frites à Sumatra? Ouais, c'est de la triche, quoi. Ouais, ok, maman. Je t'embrasse, hein, tantôt. Formidable, ces petits parallélépipèdes. Toutes ces vies reliées par des cubes rectangulaires, c'est fou, dit. Ah, la modernité! Idole m'autorise à l'appeler, il faut que je sois grand magistral. Allez, je lui propose le mariage direct. Oh, oh, elle est tellement pressée que c'est elle qui m'appelle. Ah, les femmes, allô, baby doll. Ah, c'est toi, Martine. Mais oui, Martine, mon petit chavé, bien sûr que je t'adore, ma poupée. Mais oui, bisous, bisous, bisous. Oh, oh, hey, mon portable. Bataille. Tu kiffes le portable? Vas-y, va, je te raconte ton nez, Lafka. Qu'est-ce qui t'arrive? Je te jure, quel bouffon. Qui? Ben Jimmy. Aujourd'hui, exceptionnellement, je lui donne sa chance. Je l'autorise à m'appeler et il a déjà 2 minutes de retard. Il y a des mecs comme ça, toujours à louper le coche, à stagner à 2 pas du bonheur. Bon, allez, je vais faire un tour à Big Shops. Tu m'appelles tout à l'heure? Ok. Hop, 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 hop. Ah, salut, Boud. Et on joue au foot? Alors? Ah, salut, ça va, t'es où? Hé, hey, Chami, dis-moi, on joue au... Allô? Ah, salut quoi? Hé, tu vas, t'es où? Kiki avec leur téléphone. Non, mon Dieu, mais comment fait que tu me parles, grenade? Tu vois, c'est quoi ce vibreur et cette foulasse là? Je vais passer en position sonnerie, moi. Oh, vite, vite, il faut que j'appelle bébé. Vite, tu as la... Alors, tu mets 2 gousses d'ail, 1 soupçon de gris, que tu laisses mariner. Oh, vite, maman, j'ai un coup de fil urgent à passer. Attends, Maryse. Tu vois pas que je suis en pleine recette et que je suis qu'au début? Alors, prends ton mal en patience. Donc, tu laisses mariner le tout, ensuite... Allô, Sharon? Salut, c'est moi. Hein? Non, Slaskar a toujours pas appelé. Il l'emportera pas au paradis, le Nigo. S'il croit avoir une deuxième chance, il peut rêver, ce naze. Quoi? Des nouvelles chaussures en vitrine au 8e niveau? En Ubuck? Waouh! Trop cool! Décris-les-moi. Waouh! Les talons carrés! Trop classe! Ah, la modernité, la technique, la miniaturisation. Il va falloir que l'homme s'adapte à nouveau à son environnement. Bientôt, on aura la bouche près de l'oreille et plus au milieu de la figure, moi je vous le dis. De la même manière qu'au cours des siècles, notre boîte crânienne s'attaquera. Waouh! Trop mythique ton phone, c'est de la balle! Merci mon bon, merci de flatter mes goûts esthétiques. Effectivement, pas mal le design, c'est du beau travail, hey, hein? Tu fais trop kiffer ma mère, tu vas me le donner. Il me semble que tu emploies un ton affirmatif, dis. Ouais, y a pas d'erreur. Hé, hey, les Lascars, ils vont me le donner. Ben, je crois que c'est clair. Autrement dit, tu comptes me le chaparder? C'est clair. Mais c'est mal élevé, dis-moi. Donne.
Dis donc, malotru, j'ai trimé pour me procurer cet objet, hein? Et toi, là, sans scrupule, tu veux te l'attribuer? Bon, Nico, assez discuté, ou tu vas te manger une salade de phalange, à moins que tu préfères une fricassée de coute coute ou du pâté de tête. Non, oh, c'est pas vrai. C'est la campagne après, c'est dangereux. Hé, hey, Lascar, rends-moi mon fly scoot. Espèce de beau fond de ta mère. Gaffe ce portable. Allô? Jimmy, t'es qu'un gros naze. Mais quoi l'autre là? Je suis pas Jimmy. Allô? Bah non. Mais y va l'autre là. Petit parallélépipède de communication, je me suis trompé. Tu ne relis pas les hommes, tu les fais vivre en huis clos, enfermés dans un cube rectangulaire, vissé à leur oreille. Et non, c'est plus pareil. On oublie son voisin et les jeux les plus sains, esclaves des ondes, on n'entend plus le monde. Convoitise des petits, tu es source d'ennui. Par conséquent, et avec mon consentement, tu seras enterré vivant. Ah ouais? Non. Oh, c'est pas vrai! Que ton sacrifice soit la condition d'une nouvelle ère de communication. Celle que l'on partage comme le pain et le vin avec sa voisine ou son voisin. Plus de tonalité, plus de modem, plus rien. Sauf un dialogue réel et direct, c'est plus sain. Amen. Ah! Ah! Pas de course et on tombe dans les vapes. Tu manques d'entraînement, mon gars, quoi. Va falloir te refaire une santé et travailler l'endurance, quoi. Prendre de bonnes résolutions et faire du sport, c'est bien, mais faut y aller progressivement, mon gars, y va. Ah ouais? Non. Oh, c'est pas vrai. Non, là, je te crois pas. Quoi? C'est qui t'a dit ça? Ah ouais? Oh, génial. Ouais, 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 c'est sûr. Non, 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 mais écoute. Ouais, non, mais je... C'est pas moi. Je vais pouvoir appeler Baby Doll, enfin. C'est pas moi. Ah, zut, c'est occupé. Mais qui c'est qui l'appelle, hein? Qui c'est qui l'appelle? Ben, dis donc, mon vieux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je suis une rouillure. Si j'étais une voiture, faudrait mettre du dégrippant. Ah, ça, oui, quoi. Faut huiler la carcasse, décrasser le moteur, quoi. Je te le fais pas dire, vieux. Il y a de la plomberie à refaire à l'intérieur. De l'huile à mettre sur les axes pour plus que ça grince. Allez, on y va, Jamy. On joue au foot. Allô? Ah, salut, quoi. Vas-y, va, t'es où? Quoi? Allô? Les services téléphoniques? Non, mais oh, c'est un scandale. J'avais pas honte d'exploiter la femme parce qu'elle téléphone plus. Sexiste! Je téléphone jamais. On me téléphone. Allô, Sharon? Oh, je t'explique pas, je viens de me prendre la tête avec les services téléphoniques. C'est dingue. T'es où? T'es rentrée chez toi? T'es dans ton bain? Waouh, délire. Et moi, où je suis? Ben, au téléphone. Et là, tu prends le savon? Zut, occupé. Ah ouais, pourquoi le portable de Baby Doll est toujours occupé? Il y a un autre homme dans sa vie ou quoi? Ben ouais, ah! Salut, Wood. Dis, on joue au foot? Ouais. Ah, salut, t'es où? Elle va me rappeler, elle va me rappeler, elle va me rappeler. Et Jimmy, Greg, on joue au foot? Yes! Eh ouais, mon gars, c'est comme ça, on assure ou pas, elle rappelle toujours. Du moins, elle me rappelle toujours. Allô, ma bébé, mon sucre, ma quenelle adorée, il faut que je t'explique. Mais couillon de fils, c'est ta mère.
Dépêche-toi de rentrer. C'est l'heure de manger. Oui, ma bébé. C'est dingue. Voilà, voilà. Décidément, dit. Wood, Chami, Jimmy, Baby Doll, pas un pour rattraper l'autre avec leur boîte en plastique collée à l'oreille. Où est la communication, la convivialité? Désolé, on m'a volé mon portable et... Allô, bébé? C'est Jimmy. Voilà, bébé. Alors, tu réponds, je t'appelle. Coucou. Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé. C'est quoi cet opérateur téléphonique? On capte mal. Je vais changer d'abonnement.